Bonjour à tous, on se retrouve pour poursuivre nos aventures sur Keplers. Et donc, on va aller retenter la reine insecte. Donc, j'ai récupéré un petit peu de flèches explosives. La dernière fois, il nous en manquait pas vraiment pas grand chose, on était vraiment trop léger. Là, déjà, ça l'a fait. Entre temps, ouais, j'ai chopé aussi le roi cochon. En fait, le roi cochon, c'est tout con. Il faut juste, quand on tape des cochons, looter une glande. Je vais en avoir une. La glande de sanglier. On l'utilise, machin, bon, ça donne des points de vie de la cécité, mais surtout, ça attirera le roi des sangliers. Et après, vous le tamez bah, avec votre collier gobelin. Hein. Bon, le pourcentage de chance est un peu plus faible que sur le cochon classique, mais en recommençant plusieurs fois, en tankant un petit peu, ça passe tranquille, quoi. Alors, il est un petit peu mieux que. Bon, ah, il est un petit peu mieux que le. Cochon zombie, c'est pas non plus monstrueux, mais un peu mieux quand même. Niveau stats, hein, je l'ai up au niveau 2 quand même. J'ai le même niveau. Il est niveau 2, attaque 17. C'est surtout en attaque qu'il est meilleur. Il a un poil plus de vie que le zombie qu'on avait. La défense assez proche, mais c'est l'attaque surtout qui est plus importante hein, par rapport au. Notre ami cochon de base, un cochon zombie. Et attaque à 8 seulement. Un petit peu moins de points de vie. Après le reste, c'est à peu près assez proche. Donc allons-y. Alors retournons à vengeance contre la reine des insectes. Alors moi j'y vais comme ça, mais c'est pas tout ce qu'il faut quand même. Ouais, donc c'est des flèches explosives d'argent, donc 19 de dégâts. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Et il me semblait que j'en avais un stack de 100 en plus qui traînait, mais je les ai peut-être utilisés. Ouais, apparemment. C'est pas très grave. On a de quoi se buffer un petit peu, donc ça va le faire. Ça va passer. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre genre, donc il n'y a pas de raison. Allez, niveau souterrain 5. Alors j'ai équipé la luciole à la place de la lampe torche. Ça fait une aura tout autour. Il y a de la torche qui fait vraiment directionnelle. La torche éclaire un peu plus loin. Mais bon, bah juste dans une seule direction. Allez, on dirige. Donc ça, on l'avait fait. Ça suit plus. Okay. Bon, on va se buffer. Vous voyez, avec Lucien, il faut vraiment se rapprocher de plus. Donc, je suis pas sûr au final, c'est vraiment mieux ou pas. J'aime bien la torche, finalement. Au niveau bouge, j'ai recrafté un peu de la nourriture pour les animaux. Lui, il a ses bandages. J'espère que ça suffira. J'ai de la bouffe pour moi, je vais en prendre une. Ça boostera. La régénération de points de vie. On prend l'attaque, le def, l'agilité, ça peut servir. Et voilà. On aurait pu prendre la seringue, mais c'est égal. On peut peut-être équiper le gun en cas où. Bon, le gun, c'est pas des gros dégâts. Non, je pense qu'on est pas mal. Il n'y a plus qu'à quoi. Hein. Allez, on équipe l'arc, on le summon, et c'est parti. Ni trop près, ni trop loin, trop cher là. Avec les flèches d'argent, on prend trop cher. Pas envie, hein. Ouais, ça va passer, ça va passer. Allez les gars, on tape, on tape. Et voilà,
On l'a fait. Ouais, comme quoi ça dépend vraiment de la mission, quoi. Avec des balles explosives tout de suite, les flèches explosives, ça fait tellement la différence. Est-ce qu'il y a quelque chose à casser? Ouais, quelque chose à casser. Alors, montre-moi voir un peu du coup. On va goûter quoi là? Spore de poison. Équipé génère un spore toxique qui vous suit partout. Le spore provoquera un gaz toxique. Une fois qu'elle va exploser le gaz, on empoisonnera les premiers ennemis. Un accessoire qu'on peut équiper là. Donc. Boule de gel insecteur peut être vendue utilisée. Non, mais ça va permettre de débloquer le nouvel atelier. Hein. Ça, c'est important. Les autres insecteurs, je ne sais pas exactement, probablement pour des crafts, bloc de pierre en sorbalec, mucus, gros stock de mucus, mur insecteur, les yeux d'insecteur, ça c'est une graine. Ok, on n'a pas looté d'armes, apparemment. Peut-être qu'elle n'a pas d'armes. Mais... Allez, on va tout de suite débloquer le nouvel atelier. C'est aussi principalement pour ça qu'on voulait la taper. Ça rend pas beaucoup là, parce qu'il n'y avait rien qu'on est passé tout à l'heure. C'est pas gênant, mais bon. Faut toujours farmer un petit peu en attendant. Ouais, je suis pas fan en fait de la mission là. Ça, c'est intéressant ça. Récupérer là. Truc. Farmer un peu en passant, par contre j'ai récupéré trop de cochonneries, bois ça va dégager. Qu'est-ce qu'on pourrait virer? Les graines de cible verte. Je sais pas quoi ça sert, mais bon, j'imagine qu'on aura besoin. Comment ça, t'as faim? Il me semble que j'ai préparé le bouffe, des salades de fruits. D'accord, ça là j'ai le mucus, le bordel. Grosse quantité. Ok, allez, on rentre. On va au vaisseau pour looter notre truc. C'est bien, non? Faire quand même. Bon, je suis censé laisser tanker en même temps. Allez, on va au vaisseau. Enfin, au labo. Je dis vaisseau parce que c'est marqué ship, mais c'est pas. C'est pas un vaisseau. Alors, le bassin de fusion. On peut le débloquer, voilà. Les insecteurs sont des espaces inconnus ayant un aspect humanoïde et exosquelettique. Le liquide corporel des insecteurs peut stabiliser les structures des cellules parasites, permettant à ces dernières de se reproduire et de se métaboliser de manière régulière et autonome. Fusionnés avec les cellules parasites, les insecteurs peuvent amener ces dernières à former des formes spécifiques. La fusion peut également être implantée dans notre corps pour renforcer nos capacités physiques. Dans l'ensemble, les insecteurs et les cellules parasites forment une relation mutualiste presque parfaite. Si nous pouvons accueillir la technologie de fusion insecteur, nous pouvons fabriquer tous les circuits et tuyaux à l'aide des cellules parasites, ce qui permet aux pièces et aux coquillons d'imager, de s'auto-alimenter et de se réparer. Comme les cellules parasites sont immortelles et peuvent se régénérer à l'infini, les vaisseaux spatiaux qui en sont issus ont pratiquement une durée de vie infinie. Il convient de noter que cette durée de vie n'est valable que si nous pouvons maintenir la stabilité de sa structure, sinon on n'est pas différent d'une bombe à retardement. Ok. Eh ben on a de quoi fabriquer direct, c'est nickel ça. On a toutes les ressources. Donc un prochain boss, hein, ça sera pour l'établi Grimdor. Ok. Donc on a crafté le truc, il est ici, on va mettre ça à la base. Alors,
Apparemment, on peut débloquer l'accès à là et réparer. C'est une sorte de vaisseau privé qu'on peut construire, j'imagine, pour quitter la planète un peu à la Rimworld. Ouais, ça c'est explosif. Toi là ça me dit rien du tout. Ah, ton explosif, ok. Ok. Et t'as, ils vendent même une glande machin du coup, dans des sangliers, si jamais vous en doutez pas, vous pouvez peut-être trouver des patients marchands. Normalement en tapant des cochons, ça suffit. Alors, on va voir ce que débloque l'atelier. Donc ça, c'est important. C'est pour monter de niveau encore nos compagnies. Le Saint Graal des Insecteurs, utilisé pour mieux le point d'équipement du Nargle. Sais pas du tout comment ça fonctionne. Parasitor Pox, donc ça c'est le truc. Les armes de G, ok. 63 dégâts quand même, ça pique un peu. Piège empoisonné, il permet de la guerre avec son. Piège à onde de choc. Insector nidus. Je peux te dire comme un lieu où se produit des œufs d'insecteur. Ah, d'accord, bah ça, ouais. Les œufs d'insecteur, ça c'est pour de l'éclairage. Empêche les monstres d'apparaître autour du. Quoi, un secteur sans. Il nous faut le vaccin B14, donc il nous faut de la viande. Et du coup, on va faire des œufs. J'en ai un peu en stock de. Il y a l'armure qu'on peut faire. L'armure 43 de défense. Quand même. Quand même, quand même. Hein. Gros. Hein. Donc, évidemment qu'on va la faire. Des bouts d'un secteur là. Donc ça servait à ça. Ok, bon, on va commencer déjà par faire le vaccin. Ça permettra d'ouvrir un nouveau slot. Et donc il nous faut des œufs dans cet or et de la viande de monstre. Allons-y. On va poser déjà des trois trucs. Hein, parce qu'on a un nouveau mannequin. Toi, tu as des souhaits de me donner. Voilà. Le mannequin, on va le mettre à côté des autres. Disons, je les ai jamais vus encore acheter un truc. Hein. Ça viendra. Graines de cellules vertes, sans quoi toutes les plantes. Je sais pas où. On n'est pas ça déjà, les graines de cellules vertes. Je crois bien. Hein. Attends, on va. On va utiliser ça. On va voir ça grandir un peu le champ. Et on va planter les graines de machin là. Graines de cellules vertes. Ça, on peut planter apparemment. Voilà. Bon, bah alors c'est bon, on verra. On va reprendre ça. Les œufs. Et donc on veut le vaccin. On utilise le vaccin. Hop, c'est en train de nous débloquer un nouveau slot. On va pouvoir équiper un nouvel objet. Reste à savoir quoi. On va hop le cochon. Allez, on le met un peu par là parce que ça gêne. Parce que lui, on peut pas le hop. Lui, on l'a déjà hop avec les gemmes, donc pas spécial en plus. Contre, non, c'est rare. Par contre, le cochon, on peut aller. Voilà. Il va passer à 299, 33 attaques. Quand même. Super cochon. Ok, ça on est bien. J'avais pas craft un truc à poser tout à l'heure. On
pourrais équiper ça pour voir ce que ça fait. On verra après si c'est pas intéressant. Je peux peut-être mettre la merde là-dedans pour plus tard. Je récupère le fer. Le nid machin, je l'avais pas crafté tout à l'heure. Truc pour produire les œufs, il me semblait que j'avais produit, j'avais construit. Peut-être par terre. Ouais, il faut les trucs sont par terre, comme vous étiez fou. Qu'est-ce qu'on fait? On met par ici. On verra un peu la cadence de production du truc. Alors, on va voir si on peut craft un peu de stuff insector. Donc, normalement, dans les coffres, j'ai des trucs insector qui traînent. Va prendre la peau. On va avoir besoin. Ça, non. Ça, non, je pense pas. Non plus. Là, par contre, parasite. Box. Alors on avait déjà, hein, c'est le truc de lancer, en fait je l'ai jamais utilisé, mais on pourrait tester. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah, faut peut-être les équiper dans la barre par contre, ouais, ça va être ça. Les débris. Les puces, on va retirer ça. Les exoculettes, on les prend, il nous faut ça aussi. Les graines, bah, on pourrait les poser, je ne les avais pas posées du coup, mais on pourrait en mettre. Ça va dégager. Les graines de sapin, on va les dégager aussi, on va les mettre ailleurs. Les œufs. Ça, on pourrait le vendre parce qu'on l'a déjà utilisé. On a déjà débloqué l'atelier qui va avec. Alors, le Saint Graal, je sais pas du tout ce que c'est. J'imagine que c'est un peu comme le bassin, mais pour faire une autre amélioration. Utiliser par exemple le point d'équipement d'une arme. Il faudra qu'on teste. Mais c'est peut-être pas la priorité. Ça, on a fait des yeux insecteurs. On a un insecteur, ça fait quoi déjà? Les insecteurs peuvent éclore. C'est quoi, ça sert de piège ça? Alors, armure insecteur cafard, armure insecteur volant. 27 de défense. 31. Dégâts de mêlée, 20%. Et la défense varie en fonction du type de bonus après. Et donc c'est du. Ah, c'est des lingots d'argent, mais j'ai pas d'argent quasiment. Je vais mettre rapide. Quelques lingots d'argent qui traînent, mais nickel quoi. Je vais même pas ça. C'est un peu le bordel mon corps, parce que je ne sais jamais où ça. Je suis là, j'en ai fait 5. Du coup, ça va pas le faire. Il va falloir farmer de l'argent quelque part. J'imagine qu'il faut qu'on descende un peu plus. Donc, on va descendre. On va mettre tout ce qui est graines et bouffe ici. Ouais, il va falloir voir à descendre. Alors, on a l'escalier en fer, ça me permet de descendre. On va poser les débris d'un secteur. Ah ouais, la bouboule, elle se met au-dessus, d'accord, je vais me pourvu. Ah, on a débloqué un truc. Immortalité, la barrière cinétique peut vous protéger d'une attaque fatale et restaurer 50%. Ensuite, vous recevez 20% de points de vie par seconde. C'est génial ça. C'est devenu meilleur qu'une fois toutes les 2 minutes. Ouais, mais bon. C'est pas mal du tout. Putain, par contre, ça prend une de ses places. Oh, ça sent Tetris encore ça. Bon, on se fait un nouveau Tetris. Protecteur. Onde de choc, augmente votre produit, ça on la prend évidemment. Voilà. On va prendre quand même un truc, âme de fer.
Fantôme, tireur, est-ce qu'on se met un truc de tireur? Lorsque vous êtes touché, vos vitesses de déplacement augmentent de 30% pendant 5 secondes. Ça peut être pas mal, ça. Préparation de vos bonus, dégâts critiques augmentent de 20% pour chaque seconde écoulée. Promis. Ça, ouais, ça, je veux. Chance de critique, c'est important. Voyou, la vitesse d'attaque de tous les ennemis augmente de 15%. Ça, c'est pas mal aussi. Ça va ignorer la défense, c'est pas mal aussi. Putain, je sens que ça a gonflé. Le Tetris, ça a gonflé. Le dégât de votre aïeul, bon sang, là, déjà, pour le moment, 50. Ou autant de rien. Chasseur, le dégât du fumier augmente de 50%. La question, c'était est-ce que le réplica est considéré comme un familier ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Ou est-ce que c'est juste une bestiole avec nous? Je ne sais pas. Symptômes, leader, alpha. On peut augmenter un peu l'esquive, le dégât critique, l'attaque à distance, pourquoi pas. De toute façon, les endroits où il n'y a qu'une place, c'est rien. Ça, c'est ce qu'on peut mettre de l'autre côté, donc foutre. Ouais, ça pareil, mais là. Ok, on repart un peu sur la peau d'ion, parce que j'ai peut-être pas dû monter ça. C'est le bouclier qu'on a, c'est quand même important. Et ferveur de l'armure, est-ce que je peux mettre non, pouvoir enfin un truc. On peut mettre ça. Voilà, on va se mettre sur ce programme-là. Ça va bien. Merci le QWERTY, mais j'ai pas envie de changer l'info. On va partir sur ça. On a des meilleurs trucs. Ça devrait être pas mal, je pense. Donc on a dit qu'on descendait. Est-ce que c'est ici qu'on descend? C'était Forgeron là, on n'a pas découvert ça. Ça c'est pas une ville ça? Là, c'est quoi? Niveau 5, le survivant. On a un ici, niveau 7. On pourrait déjà se faire celui-là. J'en ai plus deux. Ouais, bah apparemment. Du coup, il y a peut-être quelqu'un à aller. On va aller voir à la tour. Pognon. Pognon. Allez, les pommes. Les cerises. On va laisser. Je vais activer les trois en vert. Ok, bon, on va partir comme ça, hein. On va peut-être se mettre directement au lever.
directement aller là, puis on foutra les escaliers. C'est plus simple. Je pense, on va probablement atterrir en plein milieu d'une base, mais c'est pas très grave. Survivra. On va voir ce que ça fait ce truc-là. Si après on mettra peut-être un autre chose, si c'est pas terrible. On a plein de trucs de toute façon qu'on a looté, donc on n'a plus l'embarras du choix sur les objets équipés. Le but c'est de pouvoir faire notre nouveau stuff, un sac, machin. Donc il nous faut de l'argent. Bon, normalement, plus tu descends, plus on a de chances de récupérer des trucs. D'accord, ça fait une bouboule. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais bon. Éventuellement. C'est qu'il disparaît après, plus sur l'écran dès que tu t'es trop rapproché. On va faire notre escalier là. Et on creusera s'il faut. On a la pioche, ça va. Non, tu veux pas le poser? Pourquoi tu veux pas le poser? Quel est ton problème? C'est la zone là. Voilà, on atterrit pile sur une zone qu'on avait pété. Là où il y avait un roi gobelin. Moins 2. C'est pareil, on a déjà nettoyé une bonne partie. Hein, mais le patron nous l'avait fait. Là, il y a Zoom. Bon, le roi d'Oka. Après, je veux bien qu'il nous loue peut-être l'arme qu'on mettrait. Qu'on le mettrait sur notre réplica. Ça tank, y'a pas de soucis. Qu'il a looté. Il nous a looté son arc, le collier, mais pas l'épée. Du coup, c'est l'épée qui nous plus intéressé pour en mettre sur l'autre. Pas grave, puis ça, il nous a looté ça, mais on l'a déjà, donc je sais pas s'il y a une autre utilité à part les vendre après. On va remettre notre escalier. C'est quoi là cette enceinte? Préparation minutieuse de Gambler augmente le bonus de dégâts critiques de 100%. D'accord. C'est peut-être par rapport à une compétence que j'ai dit. Je suis pas sûr d'être fan de la lichia. Hein. Donc là, au niveau 4, encore un niveau pour aller chercher mon copain. Alors, au niveau des insectes, à ce niveau-là, on a déjà buté la reine. Il faut me mettre cher, ce con. En plus, alors, il faut péter ça parce que ça ne fait pas. Ok, alors c'est pas ici qu'il est. Descendre un peu. Et bon, on va descendre un petit peu. Ah ben il est là. Ok, allons-y. Je sais pas vraiment ce que ça vaut, j'ai pas le temps de voir savoir qui fait les dégâts, si c'est le boubou ou autre chose. Il a pris cher le réplicant. Allez,
récupère le copain. Enfin, le futur nouveau copain. Et c'est aussi de pouvoir trouver de l'argent. Un coffre ici. Kit de soins, un minerai d'argent, du soufre, des insectes, parasites. J'ai pas testé ça. Tout ça. Est-ce qu'on voit de l'argent quelque part? Pas impression. Artifou de cochonnerie, ça y est. Il a cliqué tous les trucs, hein. Il te bouffe à une vitesse, l'équipe de soins. Qu'est-ce qu'on lui met à la place? On lui met celui-là. On va virer. Les os, je dois avoir un bon stock à la base quand même. Indispensable de les garder. On va attendre. Un peu. Je vais peut-être utiliser un peu du truc. Allez, mange un coup. Le bobo lui dit, ah, elle met du 15. Le bobo met du 15, hein. C'est pas dégueulasse du tout. Hein. Tire à distance. Oh, c'est pas vilain. Pas vilain du tout. Non, c'est pas mal. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas mal du tout. Toujours que je me virais ça, on irait la pomme. Ça, on a un stock. J'ai peut-être équipé d'autres flèches. Hein. On va essayer les flèches explosives de côté. Ça arrête de l'utiliser. Capsule d'éléphant, c'est la capsule d'attaque, on ne l'avait pas prise. On va prendre la capsule d'agilité. On peut se buffer, on va prendre ça à perdre. Autant les utiliser. Je vois pas l'argent. C'est ça, je préfère la torche parce qu'elle permet de voir de plus loin quand même la torche. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Ils me mettent mal les trucs, putain, vivement la nouvelle armure. C'est neuf ça, c'est fou ça. C'est pourquoi ils attaquent là? Ils sont mis en tanking là, les petits copains. Tu vois pas, c'est bon, faut vraiment que tu sois le nez dessus pour voir les trucs. C'est pas pratique. Bien. Bon, c'est un peu comme sur Diablo. Hop là. Ouais, c'est pas. Non, mais je pense que je vais repasser à la lampe torche. C'est pas pratique pour voir le truc. Après, il y a les détecteurs de minerais qui existent. J'ai pas de test encore. Il faut aller voir un minerai pour le crafter. Oh, du pognon, parce qu'il faut, on va pas s'emmerder à garder ce truc-là. Intéressant à récupérer ici tant qu'on dit. Ah, il y a un pieu ici, il y a peut-être des coffres et des trucs intéressants. Ouais, il faudrait qu'on descende au niveau de 10. Lingot de cuivre.
peux les prendre. Gratos. C'est pas de l'argent, ça? L'argent du fer. C'est une nouvelle argent, nickel. Nickel, nickel. Il nous en faut pas mal par contre. Si on veut pas tout crafter, et l'idéal même faire les améliorations. Ça va bien quand même. Ah ouais, non, c'est pas mal. Hein. Parce que, ben, du coup, ça balance le truc à distance. Truc qui se fait tuer. Non, c'est pas mal. Comment ça, y a pas de place? C'était du fer, ça, du coup? C'est ça l'histoire? Ouais, là, c'était du fer. Emmerdé avec la taille de l'inventaire. C'est quoi ça? C'est pas si lui fait là. C'est exactement. Bon, les deux, on peut récolter. Place de libre. Du fer, il en faut aussi. Ah. On va péter voir ce qu'il y a dans le coffre. Allez, les deux. Nettoyage. Je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. Et puis une parasite. Ouais, mais ça, on en a déjà la base. Et je préfère celle-là, moi. Pour une attaque de milieu, au final. On va aller faire un tour. On va voir ce que c'est qu'il y a là-dedans. Oh, c'est le truc pour pognon. On va voir s'il est un peu différent celui-là. Mais... Je suis pas fan. Hein. C'est plus chiant qu'autre chose. Sinon, ça rapporte pas grand-chose en pognon par rapport à tout ce qu'on peut faire. On a 15 000 à 38. Sur celui-là, je suis même pas sûr. Ça ressemble tellement au truc de Ark là, où tu dois défendre le pod pour avoir des loot à la fin. Ça va, il peut encaisser quand même. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas ouf. Alors l'autre avec son petit bouclier, est-ce qu'il veut nous lâcher des trucs intéressants ou pas du tout? Allez, il va faire son attaque. Est-ce que ceux-là, ils peuvent lâcher des fois des pets? J'aurais pas un peu la dalle, moi. On va finir 5 secondes.
La bouffe par contre descend tellement vite. Ouais, c'est fini, bon, on va finir les méchants. Ok. Et on va faire une place. Lumière, ça s'en fout. Oui, on va la laisser. Une graine, ça ira. Non, ça on va regarder par contre, s'il te plaît. Alors, boîte mystère V2, c'est des boîtes à sous, 500 dessous. Comme je disais, c'est pas très intéressant. C'est mieux quand c'est celui où c'est on peut avoir des œufs pour avoir des loupettes. Leur faudrait de l'argent. Salade de fruits. On va utiliser toute la merde là. Voilà. C'est quoi ça? Du fer ou de l'argent? C'est du fer, on va voir. Truc là-haut, on va voir ce que c'est. Bon, ouais, il y a juste un bizarre ça. Oh, il y a un truc là. Ça va être un TP ça. Tout creusé, mais c'est pas grave, on y arrive. Oh, c'est un TP cassé. Y accéder par l'autre côté, il y a un coffre. Des munitions, circuit imprimé, du coup, un bloc de pierre, ça reste là, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on laisse ça dans la plainte base? Pistolet, oh, c'est encore un pistolet de merde de toute façon. On a 17. Être suffisant. Il m'en faut plus que ça. Allez, il y a des copains qui arrivent à la base. Ça,
C'est pas si simple. Regarde, tu dégages. On va laisser les instances s'installer dans cette porte. Dramatique. On pourra stepper à la maison après, au besoin. On va voir un petit peu ce que ça dit. Configuration un peu différente. Est-ce que ça pique un peu plus? Il y en a. C'est du bon en tout cas. Non, 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 on va éviter d'utiliser ça, tu vois. Oula, quoi ça? Ah oui, intéressant ça. Y a moyen de dégager de ça? Ouais, ça pique un peu ça, dis donc. Mais ils ont pris cher. Hein. C'est lequel ça? Ça, c'est le cochon qui a pris cher comme ça. Ah, c'est une adepte, hein. J'ai pas pu écouter. Putain, je prends cher, je prends cher. On a peut-être un peu de bœuf. Hein. Oh lui, il a une aura, ça pue du cul. Ok, donc après là c'est fini. Il n'y a plus qu'à récupérer. Ah non, c'est pas fini quoi, non. Je pensais que c'était le dernier niveau. Comment ça, le réplica est resté dehors? Est-ce qu'il va se téléporter? Oui. Ça va attaquer les cons. On va sur ces cartes assez loin. Ok, c'est fini. Allez, donnez-moi mon coffre. Est-ce que j'ai de la place? Pas beaucoup. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on peut choisir une boîte mystère à compétences. On peut choisir l'œuf. On peut choisir le pognon. On peut choisir l'œuf. Du coup, l'œuf là. Je pense qu'on va rentrer à la maison parce que la base ils sont en train de faire leur nid, après ils vont attaquer. Et donc on va utiliser une de nos pierres de rappel. Allez hop. On va poser un peu de bocal. Donc c'est bien les champs, du coup ils peuvent se nourrir tranquille. Je sais pas s'ils peuvent crever de faim. Le faire, il faudrait que je récupère du coup là.
L'argent est fini pour avancer le code, donc on doit avoir d'autres minerais d'argent que j'ai pas percuté. Allez, on va s'occuper de lancer avant qu'ils aient fait une base trop importante. Ouais, je veux bien, le problème c'est qu'ils ont plus de pognon à donner. Donne-moi le pognon et puis on ira. Ça doit être celui qu'on a libéré, ça. Hop, voilà, comme ça fait un copain de plus. En bas. Ok. Il va pas avoir besoin de péter tout de suite les trucs. Oh, ils ont déjà bien construit ça. La tourelle. Okay, on va s'occuper déjà de la tourelle en premier. On va péter les spawners. On va péter lui tout de suite. Hein, j'ai pas envie de farmer quelque chose de particulier dessus. Ça évite que ça débarque. Du coup des débris, des soufres. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Du soufre, un parasitor. Ok. Et dans celui-là, ça me fait toujours du soufre gratos, hein. Minerai d'argent, voilà. On a fait les trucs, bah, le restaurant c'est comme ça. Hein. Ah, on peut apprendre un nouveau truc. Plusieurs même. Maîtrise de tir. Vos attaques à distance augmentent votre chance de dégâts de critique de 2%. Le risque de. Pardon. Ok. On verra si on fait quelque chose avec ça. Si les points de vie de la cible sont supérieurs à 14 ans, vous pouvez faire la vie. Ouais, ça c'est insane ça. Il va falloir refaire encore, je pense. Lorsque vous fabriquez des armes, les armures, vous êtes en bonne chance de fabriquer des équipements avec des attributs avancés. Ça, on va mettre là tout de suite. Et il faudrait mettre ça. Ça, on va le virer, je pense. Tout le travail, ça prend une de ses places. Ouais, bon, je pense qu'on va virer ça. C'est reparti pour du Tetris. Maîtrise de tir, ça permet de prendre. C'est à plus de ça. On va remettre l'esquive. Je peux déplacer ça là. Ça, c'est tellement une scène aussi à prendre. Je dis pas déjà ça? Je veux déjà. On va remettre ça, tiens. Hop. Allez, on met là. Comme ça, on est niveau fou. Oui, Frank. Allez, rentre à la base. Du coup, le minerai d'argent, j'ai posé. Ah, mais j'en ai 36, c'est bien ça.
De la boîte de neige, on s'en moque un peu. Non, ça va. On avance bien. Maintenant, il faut farmer un peu les ressources là, qui nous permettent de crafter du stuff. On va mettre ça à 37. Ça va nous permettre de faire quelques trucs quand même avec ça. Ah, on a deux capsules, on a deux trucs. Donc, on a l'œuf qu'on a récupéré et la capsule, on l'a récupérée sur. Dans les. Bon, quand même. En colère. Bon, ils ont des stats et des petits bonus. Allez. Sauter dans la faille et soyez mieux contre tous les dégâts pendant 2 secondes, cela produit. Bon, ouais, ok. Ennemi légèrement la zone environnante. Est-ce que ça justifie de se trimballer avec? Après, le poignet en lui-même, il apporte pas grand-chose en bonus. Hein. C'est pas forcément la meilleure idée. Là, je regarde. Rien du tout en bonus. Limite, t'as plus vite fait de prendre un chien par exemple. Il augmente ta vitesse de déplacement. En plus, il y a du stockage. Donc, autant carrément. On peut le monter de niveau, histoire qu'il résiste un peu plus, et puis on chope le chien. Je sais pas comment ça se passe l'inventaire d'ailleurs. On a Buddy, on a Luna. Et toi, tu fais quoi? Je préfère à la limite ça. Buddy. Et Buddy, il porte rien. Il porte rien, tu Luna porte. Le truc, il est minuscule, mais ça. La foreuse insector. D'accord. La faucille parasec. Ça, c'est une épée. C'est une nouvelle arme. Et la extraction de minerais et la déconstruction des objets. C'est intéressant, ça. Coûte cher, hein. Par contre, 8 lingots d'argent. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, non. Moi, ce qui m'intéressait peut-être dans l'immédiat, c'est les armures. Il nous faut des débris d'insectes, de la laine et du cuir. Ok, on va prendre ça comme ça. Ça, tu vas revenir là. Ça aussi. Le verre, pour le moment, on n'a pas besoin. Ça, on va avoir besoin. Alors, donc, tenue parasec. On a la tenue insector. Et on a la tenue parasec. C'est les mêmes ressources. Je sais pas vraiment quelle est la différence. S'il y en a un qui est plus intéressant parce que l'autre, il donne plus de combats, a priori. Là, tu vois pas de bonus. Mais par contre, ça coûte aussi cher à fabriquer que l'autre truc. Donc, je sais vraiment pas. Après, est-ce qu'il y a des bonus passifs? On sait pas quoi. Ça coûte plus cher, la vitesse d'attaque pour l'armure, les autres, ça ne dit rien du tout. Façon, voilà, il faut faire les gants, les bottes. Et après, c'est sur le choix au niveau du corps de ce qu'on prend. J'ai bien envie de faire celle par sac.
comme ça, on a fait 7. Pour le moment, on va améliorer avec des lingots de fer. On n'a pas moyen avec des lingots d'argent. Donc on va faire au fer, ça mettra déjà des bonus corrects. Il nous faut ça. Vous voyez là, il y a 0 bonus. Et là, on a la durabilité, la défense, essence, contre-coup, défense plus 15%. C'est pas mal, hein, parce qu'on a eu des bons bonus. C'est en vert fluo. C'est pas mal du tout. Fait la même chose avec les gants. Vitesse de hache pioche, réduit les dégâts, durabilité objet, défense, ouais, c'est pas mal. Et les bottes. Vitesse de la fin ralentie, durabilité, vitesse de déplacement, défense. Un peu moins bien. Donc les gants sont à, les bottes sont à 18, on est à 11. On mettra ça sur notre réplica de toute façon. Ça ressemble à quoi l'armure? Ah ouais. Ah ouais, rien à voir, je pense avoir une armure un peu badass quoi. Voilà, comme ça il est encore un petit peu mieux déjà. Ça, on va le stocker ailleurs. C'est bizarre avec les boules là-dessus. Ah, ce serait bien de pouvoir faire des armes aussi. Est-ce qu'on a besoin en priorité de la foreuse? 9 de dégâts, 51 de dégâts là aussi. C'est bien plus fort que l'épée du bordel. Et là, dedans, il y a quoi d'autre? Le Saint Graal, on ne sait pas. Je pense que c'est pour faire des améliorations, mais je sais pas exactement. Aristarpod, ça, on l'a vu. C'est pas un souci. C'est les armes de jet qu'on a équipées là, qu'on a jamais utilisées. Les rênes de Parasitor, ça, bon, on les a récoltées. Le faux tunnel, piège empoisonné, piège à onde de choc. Insecteur Midus. Où sont produits les secteurs, ça on a fait les deux secteurs, ok, mur secteur, coffre un secteur, mur secteur, ça c'est tout complète à chaque fois. Mais qu'est-ce que ça fait si je construis ça? C'est pour une défense pour nous, ça fait quoi? Ou c'est juste pour les farmer? Je sais pas, Yen ne sait pas. Par contre j'aimerais bien la faucille. Ça remplacerait la pioche. Et ça nous permet peut-être de déconstruire des trucs un peu plus évolués. On va faire ça. Donc à la place de la pioche. Ok. Ça, on va voir si on peut l'améliorer tout de suite. Donc on peut améliorer juste les armes et les armures. Ah, on met un petit frigo. Voilà, c'est mieux. Hop, je vais l'enfiler à mon boy. Ok, mais... pas de grosse différence entre les deux. Comme ça, il tapera un peu plus fort. On va poser tout ce qu'on n'a pas besoin. Il va leur falloir de l'argent. Allez, les lingots. Hop. Faudra que je trie un peu, hein. Sur mon autre partie, c'est un peu plus propre ce que j'ai fait. J'ai tout foutu en vrac. C'est un peu de la merde. Non, bah écoute, les pox, on va les rajouter là.
On va voir ce que ça donne. Graine de baie. Élago. Ça. Ça, normalement, j'ai un endroit de stocker. Ça m'a dit qu'il fallait qu'on le plante, donc on va le planter. On va peut-être faire une autre parcelle, du coup. On a déjà planté quelques-unes. Voilà. Ok. Nos SOS sûrement. Je ne sais pas lesquels il y avait. On a tous les remettre. Ok, les pieux, bon, ça va. On pourrait en rajouter un peu plus, mais bon. On va aller peut-être se crafter un peu de bouffe. C'est quoi comme œuf ça? Un coco. Un coco, tu lui fais quoi comme bonus, coco? Augmente votre attaque et celle de vos coéquipiers proches de 10%. Il peut stocker aussi. Le stockage. Ah ouais! Ah ouais, nous qui sommes toujours, on est toujours emmerdés par le stockage, ça c'est le genre de truc qui change la vie quand même. Il y en a un. Très intéressant, hein, Coco. Coco, c'est pas Coco, c'est Luna. Ça me plaît bien. Allez, donne-moi la bouffe. Qu'on voit effectivement si on peut crafter. Un peu de bouffe intéressante. C'est des graines. Alors, on peut refaire de la salade. Les œufs brouillés, ils se font très très bien. Ils sont chers à faire, mais 50 pour un de vie, c'est quand même pas dégueulasse. Mix de viande, 100% satiété. Ouais, en même temps, la viande, pas gênant, c'est pas trop pour en foutre de toute façon. Donc avant un combat, on sera mis full bouffe, comme ça on a le petit bonus. Parce qu'il y a un bonus quand on est soit plus de 70, 75%, il y a un bonus de la génération. Ça c'est compagnon et Mrs. Gambler. Ok. On peut faire le seul. J'ai pas de quoi faire nature pour famille. Il faut des champis. J'ai plus de champis? Je les ai pas pris. Non, j'ai plus de champignons. On va quand même l'utiliser, donc autant en refaire. C'est bien, on avance, on avance. Le stuff augmente, on fait les boss un par un. Dit que c'est plutôt pas mal, c'est satisfaisant. Je crois qu'ils bouffent, qu'ils produisent par exemple des œufs machin, que quand il y a de la bouffe là-dedans. Quand ils se contentent de bouffer ça, ça marche pas. Ce qui est un peu chiant du coup. Parce que là, ils produisent plus d'œufs, hein. Puis qu'il n'y a plus de bouffe. Alors, il y a de la bouffe qui se régénère ici, mais tant qu'il n'y a plus de bouffe là-dedans, peut-être falloir qu'on fasse vraiment un champ de foin du coup. Alors que je mette un autre type de bouffe. Dedans, c'est possible. Des trucs devant. C'est pas possible, hein. Ah ouais, par exemple, les laitues, ce qui boufferait les laitues. Il y a moyen. Il y a moyen que ça bouffe la laitue. Ça, c'est bon. On se réfère à.
Sandwich, c'était bien pour la satiété. Mais la salle de fouille, ça se soigne. C'est Mekti. Ah, c'est tout bon. Bah écoute, fais-toi plaisir. Si t'as des questions, n'hésite pas. Hein. C'est parce que je suis sur autre chose que tu peux pas poser des questions. Ouais, c'est un super jeu, hein, Mountain Blade. T'as que du bonheur. Puis tu peux faire deux parties, là, ça se ressemblera jamais. Ok, bon, ça c'est bon. Est-ce qu'on fait les yeux? Oh, ça va aller. On va remettre la bouffe là-dedans. Et du coup, j'ai peut-être gardé les laitues. On va les foutre, machin. Ouais, ça t'a saoulé? Moi, c'est vrai, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché au mode. Au mode campagne, il était. À l'époque, il était au début, il était vraiment buggé. Puis après, je le fais, mais bon, je n'ai pas trouvé ça m'a pas plus passionné que ça. Ah ouais, bah, ils ont mangé ça, c'est très bien, vous faites la laitue, les gars. On va raconter un petit peu du coup en passant là. Voilà, magnifique. Récolte-t-on, récolte-t-on. Voilà, donc là on est bon avec ça. Il faut qu'on retourne faire de l'argent. Voilà, c'est plus facile, c'est un peu plus facile que le mode campagne. C'est très bien pour apprendre à jouer les mécanismes du jeu, etc. Ça, effectivement, c'est plutôt pas mal pour ça. C'est l'intérêt, hein, c'est une sorte de gros tuto, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est. Moi, c'est vrai que t'es quand même vachement plus libre quand tu comme fait en sandbox. Ils sont tous mes escaliers, du coup j'avais fait, c'était par ici, je crois, j'étais en train de descendre. Ouais, ça peut être là. On va tester ça, voir. Sur les arbres, ça fait rien. Je sais pas si c'est vraiment. Ouais, c'est peut-être un peu plus efficace quand même. Par contre, il est dur à descendre. Hein. Et est-ce que ça pète ces murs-là? C'est ça l'histoire aussi. Non, ça peut pas les renforcer. Bon, ben c'est tout. On verra. Ah, c'est du fer, il y a moyen que ce soit ici notre truc. Ouais, c'est ici. Allez. Encore un étage, on était allé jusqu'au niveau 5, il faut qu'on descende plus bas encore. Eh ben, il faut qu'elle soit dans ton groupe, tout simplement. Il y a des trucs intéressants dedans, hein. Il faut qu'elle soit dans ton groupe et que. Dans l'idéal, c'est même de rester dans un fief avec, de rester en ville avec pendant quelques jours. Faut pas qu'elle soit trop vieille, faut pas non plus que toi tu sois trop vieux parce qu'après, bah, ça marche plus. C'est pas une salle en ville là, c'est le truc. Ah là, c'est la torche que je vais reprendre. Ah, il y a un truc là. C'est quoi? C'est du soufre, ça, je crois. C'est ça. Oui, si ça quand même, ça perce quand même vachement plus vite. Et un petit truc à savoir aussi quand tu fais des bébés, c'est plus les niveaux des parents seront élevés, plus ils auront de compétences, plus le gamin sera badass arrivé à 18 ans. Putain, c'est encore le truc dont ça me fait chier celui-là. C'est pas intéressant. Ça c'est pour goûter des sous, c'est pas drôle.
Et voilà, plus tu vas avoir ta femme va avoir des compétences élevées, et puis toi tu vas avoir des compétences élevées, et plus vos gamins arrivés à 18 ans seront en niveau élevé, donc avec plein de stats à leur mettre partout. Bon, je pense qu'on va continuer à descendre. On va arriver directement ici parce qu'il y a une liste, j'aime pas où était, j'aime pas regarder où était la prochaine main qui allait libérer. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le coin? Il y a des coffres, on peut peut-être faire une petite expédition loot en passant. Soin, ça c'est bien. Ça pète pas les coffres du coup. Oh, c'est pas mal tout ça. Pas mal du tout. Une foule. Une foule. Minerai d'argent, j'en ai un. Hop, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça pareil. Poudre, poudre à canon. La poudre à canon, on n'a plus qu'à garder du coup. On sait que c'était du charbon. La viande de monstre, on en a plein à la base. On va peut-être aller buter ça. Va manger un coup. J'ai bouffé ce qui donne 100 à chaque fois, je le gaspille. Voilà. Putain, je prends cher, on va crever, 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 laissez-moi me soigner. Pas d'argent dans le coin, dis donc. Après, si je pète pas les spawners, c'est sûr que ça va pas me servir à rien. Est-ce que ça pète le spawn? Ça les pète pas. Casse-moi tout ça. Et nous, on veut de l'argent. Ah, ça doit peut-être ça nous argent ou fer? C'est pas. Ça dégage. Ça aussi. L'argent qu'il nous faut. Après, on ne crache pas contre un peu de fer, mais bon, c'est l'argent qu'il nous fait. Qu'il nous faut pour continuer de crafter notre stuff. Du fer, ça, je pense. Pense qu'on va peut-être descendre encore plus bas. On va retourner à notre escalier. Et je pense qu'on va descendre. On aura possiblement plus bas, plus plus bas du fer. Donc, ça va me prendre notre temps ici. Sont gentils, ils nous donnent des petites bricoles. Ça dégage.
Aussi. On se prend un peu de bœuf peut-être. On a ce qu'il faut, donc allons-y. Résistera un peu mieux. Voilà. On était où? Arrivé par ici? On était pas par ici. Mais il y a des coffres là. On va se faire les coffres. Temps, mais mes petits gars ils font le taf. En plus ils sont plus costauds que moi, ils tiennent mieux. On atterrit en plein dans les rochers. Y a une base ici, tiens. Ah mais c'est des copains ça en fait. Des copains, non? Mineur, excellent. Ils vendent quoi, du cuivre? C'est pas très intéressant ce que tu vends. Donc l'ascenseur, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Rapidement, entre la surface et sous terre. C'est-à-dire que tu peux choisir directement le niveau où tu vas. Il faut du bois et des blocs de pierre. En fait, tu les as pas. Hein. Ça dépend. Les constructions sur Banner Lord dépend un peu de la prospérité. Plus tu vas avoir de prospérité, plus les fiefs vont avoir du pouvoir, vont bien se porter, plus tu auras de construction. Mais les châteaux, de toute façon, c'est très compliqué à construire un château. C'est très très lent, ça produit très peu de trucs de construction. Ah ça, non, mais ça se régénère tout seul. Par contre. Tu peux booster des fois les constructions des fiefs avec en mettant un gouverneur qui a de l'ingénierie. Déjà de base, il va rajouter un petit peu de points. Et si tu lui mets la bonne compétence qui permet de booster la construction soit des châteaux, soit des villes, et ben, il va apporter un gros bonus de blocs de construction justement en plus. Et autrement, voilà, tu le boostes en mettant de l'argent. C'est l'argent que tu mets dans le fief, ça te booste, ça te rajoute 50 de construction. Tant qu'il y a du pognon, tu auras 50 de construction par jour en plus. Mieux, plus il y a de sécurité, loyauté, plus il va y avoir de blocs de construction. Si ta loyauté descend en dessous de 25, tu n'auras plus du tout de construction. Tu seras à zéro. Donc là, si tu mets de l'argent dedans, ça rapportera zéro. Donc il ne faut surtout pas le faire. Donc ça m'intéresse pas trop ce qu'il propose, mais il y a un village ici. À la limite, on se fait du bois et on teste l'ascenseur. Hein. Je fais un peu de bois, un peu de bois, un peu de pierre et on teste l'ascenseur. Ça donne pas de bois ça. Ça donne le débris. Ça donne pas du bois ça, ça. Et voilà, t'énerve pas sur les améliorations de château, c'est très très long. Si c'est pour perdre en plus le château 10 minutes plus tard, machin, elle naît d'un secteur, tiens. Augmente les vitesses de déplacement de 15%, c'est pas dégueulasse ça. Plutôt qu'un point de vie en plus, on permet de ça. Par contre, faut que toi, si c'est essayer de récupérer plutôt des villes et donc dans ce cas après d'améliorer les villes. Là, ça sera beaucoup plus intéressant. En fait, ça balance du mucus, mais nous, c'est du bois qu'il me fallait pour le truc. Ouais, il n'y a pas d'arbres là-dedans.
Tant pis, on fera différemment. Sans l'ascenseur, il y a d'autres mineurs en surface, hein, donc je verrai à ce moment-là. Je ne sais pas, peut-être qu'effectivement l'ascenseur lui-même permet de descendre ou de monter exactement. Oui, dans ce cas-là, effectivement, c'est très intéressant. Pouvoir choisir directement le niveau où on veut aller. Sur le coffre alors. Le truc est quand même pas mal, hein. Ça te les empoisonne tranquille à distance. Pas de soucis quoi. Alors là-dedans, un petit peu de minerai d'argent. Toujours ça pris. On va rebalancer la pierre, du coup j'en veux plus. Hein. Le mur secteur, ça m'intéresse pas non plus. Ça, organe dégoûtant, c'est peut-être pas les mêmes ça. Mon cul, j'en ai plein à la base. Ça va, on va dégager quand même. Ok, bon. Il y a plus de fer que d'argent. Ça m'arrange pas. L'argent, dommage. Peut-être en descendre encore plus bas. Essayer d'ouvrir par là. Si on en voit quelque part. Ah, ça fait quand même pas mal de dégâts le truc, hein. Ah ouais, non mais ça fait bien les gars. Ouais, ça t'enchaîne les 13 machin, ouais, non, mais c'est vachement plus efficace que la faucille. Par contre, la dura, voilà, c'est pas ça, mais c'est extrêmement violent comme truc, même en arme. Non, je vais remettre la torche. La luciole, ça me plaît pas du tout. Un petit peu de soufre ici en passant. Il y a un coffre. Le kit de soins. On va aller voir si celui-là est intéressant ou pas. Ouais, cette enchaîne les 13 dégâts. Totalement une seule. Ah ouais, ça, celui-là va être bien. C'est pour les œufs, celui-là. Bon, ça oblige à être au contact, mais c'est assez pété. Là. Là, tu te passes sur mes copains à distance. Je prends un peu cher là, dis donc. Je sais pas, du coup. Ça fait quand même du 65. Hein. C'est pas dégueulasse, hein. À la con, on s'y croit. Bon,
Oui, il avait laissé son arme. On a déjà fini le coffre, déjà? Donne-moi 9. Mais on a toujours des trucs que je trouve qui sont moyens, là. Les œufs. Je trouve qu'ils ont pas une scène, les œufs. J'en suis où, là? Putain, j'ai fait que 7 argent. J'ai pas trouvé vraiment de veine d'argent intéressante. Je pense qu'il faut descendre encore. On va descendre, on va continuer à descendre. Retourne près de l'escalier, c'est quand même plus simple si jamais on tombe au combat. On peut plus facilement redescendre au même niveau. Là, on est au niveau 8. Oh, il y a deux chaises. Alors, lingot de cuir, fer. Flèches. C'est quoi ça? C'est du fer ça. C'est dommage. Un petit peu de soufre. Oh, tiens-toi, c'est une loot à ce niveau-là. Est-ce que tu veux toujours le même truc ou est-ce qu'en fonction de l'endroit où on tape, tu veux des trucs plus intéressants? Ouais. Ouais, je me fais chier, mais j'ai le chien quoi, qui je peux mettre des trucs dedans, je pense pas. J'ai pris un peu pour ça à la maison. Et l'argent, c'est un peu pénible, je trouve. Hein. Un peu pénible à trouver. Tiens, là, d'avoir des grosses veines intéressantes. Quoi. Du cuir et de du soufre en tout cas, vache. Pas quand est-ce qu'on aura besoin, mais allons-y. Imagine pour les balles, les explosifs, les trucs comme ça. Du fer encore. Servir. Ce que je cherche. L'idée, voilà, ça serait peut-être effectivement de mettre des trucs dans le plutôt si j'arrive à le sélectionner. Ça devient pas mal comme ça. Un truc. Ça va, on gère quand même. Tant qu'on tombe pas sur la reine, ça on va gérer. Après, on a un meilleur stuff. Hein. Peut-être que la reine ça passerait plus simplement que qu'avec les flèches explosives. Ah, on va tenter un autre œuf.
Et du coup, j'ai plus de régène du tout là. C'est pas une méga idée. Hein. J'ai plus un seul régène passif. Avec la bouffe, ça m'a abandonné temporairement. Nettoie bien quand même, hein, ma petite foule. Hein. Temple, la vache. C'est plus grand. J'ai plus le bonus de bouffe. Et un œuf. Va faire ouf. Y a des trucs là. Ça, c'est du fer, ça encore. C'est quand même un peu petit ce truc. Un peu d'argent quand même. Pas beaucoup, mais un peu. Pas voilà. C'est les balades hein. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants par ici? C'est rigolo en tout cas, on peut pas dire. Cette arme, petite arme là, elle est rigolote. N'y a même pas de coffre et rien du tout. Excusez-moi, téléphone.
Ouais, désolé, c'était une petite livraison Amazon. Ça, maintenant, je serai tranquille. On va aller voir ici. C'est quoi celui-là? Ah, c'est encore. C'est peut-être celui qu'on a fait, ça. Bon, je pense pas. Oh, si tout est ouvert, celui-là, on l'a fait. On a dû faire le tour. Ah, ici. Là, il y a des coffres. Est-ce que. Fait celui-là? Non, ça, j'ai pas fait celui-là, par contre. Il y a encore les ailes, vous avez déjà chopé. Peut-être rentrer, on a dû quand même déjà récupérer un peu de trucs. Pas forcément ce comme j'espérais, mais. On a récupéré des trucs quand même. Il y a quelque chose là. Oh, ça sent l'argent, ça. Nickel. Après, allez, faut choisir ce qui est bientôt pété, quand même, mon truc. Il va falloir voir remonter. Il va falloir que je voie tester cette histoire d'ascenseur. Parce que ça se trouve, je me fais chier pour rien. Ah, l'île d'insectes. Je sais pas si la reine a loot des armes comme looté le roi gobelin. Là, il a l'air d'avoir de l'argent. Alors, j'ai plus beaucoup de flèches explosives, mais j'ai un meilleur stuff et mieux aussi. Il y a peut-être moyen de. Après, si on meurt, on est dans la merde. On est tellement bas. Elle est où? Il est où le lit? Un survivant, là, niveau souterrain 10. Niveau 5, on l'a pas récupéré celui-là. 7. Il est où le lit secteur? On est pas très loin de la base. Hein. Ah, il est là-bas le lit secteur. Ah, il est pas à côté en fait. Qu'est-ce que tu racontes le truc? On sait qu'il était juste à côté, mais non, il a perpète le bordel. On va essayer de retourner à nos escaliers. C'est carrément bas. Ah, quelque chose. C'est du fer, ça. Y a de l'escalier ici, on n'est pas très loin du coup. On va y arriver. Il est là mon escalier. Et ben on va remonter gentiment. Voilà. D'où l'intérêt finalement de mettre les escaliers les uns à côté des autres. Parce que comme ça, t'as pas de distance à faire. Il est beau. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Non, pas voilà, on n'y est pas encore. On est au niveau 4, on continue à monter. On monte, on monte, on monte, on rentre à la maison. On va aller mettre notre métal à fondre. Là, c'est bon, là, la surface. Faut qu'on répare notre truc aussi.
C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Après, le prochain boss, à mon avis, il va piquer. Hein. Déjà, la reine, elle nous a fait chier, la reine Insector, mais. Eh bien, il y a des œufs, là, dis donc. Et on voit qu'ils ont aimé les laitues. Si ça vient, là, tu vas te faire démonter par tout ce qui traîne, c'est pas un souci. Alors, là-dedans. On va commencer par le minerai d'argent. J'ai un paquet de trucs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça du tout. J'ai trompé le bouton. C'est celui-là qu'il faut faire. Voilà. J'en ai 8, je vais quand même les récupérer. C'est celui-là, c'est lequel que je vais ouvrir du coup. Ok. Attends, là, les murs secteur, là, j'ai besoin. On a ce qu'il faut. Alors, on ouvre un peu notre œuf, on va voir ce qu'il y avait dedans. Oh, de la merde. Ah, œuf de licorne! Ah oui, non, ça, j'aime ça. Ça, j'aime le licorne. Oh, ah oui. Ma licorne. 127 de points de vie, attaque 6, défense 35. Bon, c'est une monture. Attends, arrête de bouger. C'est quoi? Augmente l'esquive de 25. Toutes les 5 secondes, l'énergie lumineuse converge vers les cornes, formant une lame tranchante qui peut fondre. Oh oui, ça a l'air tellement bien. Ah ouais, ça va remplacer notre poney qui sert à rien. Bah, on n'a plus de poney, on avait le chien, mais. Je veux la licorne. Faut pas déconner. Tiens, toi, donne-moi ce que t'avais dedans. Oh, hop! Oh, ouais. Hey, j'ai pas pu, c'est balade ça, une belle licorne comme ça. Putain, ça c'est intéressant, c'est cool, une vie. Le style était un peu bizarre quand même, hein, sur l'ensemble. On s'en fout, on a une licorne, tout ce qui compte. Il faut que t'aies une licorne, c'est bon, t'as réussi ta vie quoi. Il y a ceux qui ont une licorne et ceux qui en ont pas eu. On va quand même la up niveau 2 et 3. Ça lui fera plus de points de vie. Donc il faut qu'on craft les potions. Viande et nonos. La viande. La viande. Et pour l'autre, c'est quoi? C'est viande et. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Et les nonos. On doit en avoir ici des nonos. Voilà. Que je bouge un peu les trucs là, c'est chiant. Voilà. Madame la licorne. Élever le niveau. Hop. Hop. Eh, 317, 253, 27 attaques, 122 défense. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ma super licorne. Ah oui, j'ai dit que j'en avais marre de la luciole. Je vois pas assez loin et pour opérer les blocs de minerai, ça va pas. Donc, je vais récupérer ma torche. Je sais pas où elle est, mais je le veux. Ouais, je sens que je l'ai. Non, elle est là. C'est bon. Ah, tu. Là. Pourquoi? Effectivement, autour, t'as plus rien, mais. De loin, tu vois tout de suite le minerai dans le noir. C'est beaucoup mieux. Ben écoutez, je suis assez content là. On a réussi à battre la reine grâce aux flèches explosives. On farme gentiment nos trucs, donc c'est plutôt cool aussi.
On a amélioré tout notre stuff. On est plutôt bien. Allez, on récolte. Alors, du plein. Oh, tout de suite. Il va falloir refarmer un peu la bouffe. Probablement que j'aille farmer encore de l'argent hein, parce qu'on a besoin. Là, ça dirait quoi? On a fait l'armure. En armes, on a fait ça. Ça, c'est pour miner. Ça, bon, on en a plein, on les a lootés au fur et à mesure. Ouais. Il y a le Saint Graal, je sais pas ce que c'est. Mucus, œuf et Parasitor. On va le poser. Je pense que c'est peut-être un truc d'amélioration comme ça, je ne sais pas. Quand ça fait un peu beaucoup de trucs. Voilà. C'est pas très gros, c'est déjà ça. Améliorer le point d'équipement. C'est quoi le A avec ça? Mais qu'est-ce que c'est le point d'équipement? C'est le truc. Plus 0 point d'équipement Bugman. Ah, c'est ça le point d'équipement. Ça coûte cher, hein? Ah ouais, mais c'est une scène. Plus 2 points. Max. Ah ouais, ça rajoute du coup des points ion. Ah ouais, non, mais j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça, moi. Alors là, on avait déjà les trois points sur celui-là. Je sais pas du tout, du coup, là, ça fait quoi là? Ça change rien là. Ça nous a quoi? Ça a juste changé les bonus, c'est ça? Esquive, là. Les gants. Bah c'est plus 2, j'ai. Max. Et là. Attends. Non, max aussi. Et là, tu vois. Plus 3 points équipement, plus. Oh, tu vois pas là-haut. Là, on a 7 points de lion, donc on passe à 104 de bouclier. La vache, oui, ça c'est. Ah non, c'est bon ça. Ok, c'est. C'est très intéressant, ma foi. Eh, mais on a encore un truc, on a un œuf à ouvrir. Il n'y en a plus, hein, encore. Encore un œuf de licorne neurone, mais d'une couleur différente. Oh. Ouais, vache, on a des licornes. Et elle fait quoi, elle? La défense augmente de 30%. Ouais. Moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ton pote qui t'a attiré? Celle-là, c'était quoi son bonus? L'esquive. La défense, c'était pas mal quand même. Hein. Bon. Est-ce que c'est l'âme de la bête sacrée? Est-ce que c'était c'est la même attaque? Ouais, c'est la même attaque. Oui, bon, on va rester comme ça. Elle vient donc je lis quoi. On a deux, on verra, on changera si besoin. Ça fait bizarre la boule. Si tu vois là, tu vois le casque au-dessus de la boule, c'est un petit peu bizarre. Ok, bah du coup maintenant on a plus de points ion que notre boy. Ce qui est quand même normal. C'est qui le patron? Lorsque tu on a plus de viande, on s'en fout. Restore à vous et de point de vue. Ça c'est. Ça, c'est vachement intéressant, ça, par contre. Mais il va falloir rebouger tout ça. C'est compliqué. Tetris, là. Il n'y a pas une touche, là, pour. Tu mets tout ce que tu veux et ça te les agence correctement, quoi. Peut-être retirer ça. Ça, on va le décaler.
coup ça un peu poussé, ça peut-être s'arranger comme ça, toi. On pourrait mettre ça comment? Où et comment? Compliqué. Oh, mais ça, non, franchement, c'est le genre de truc, moi, par contre, ça qui me gave. Hein. Ça me tue, mais je le veux vraiment, celui-là. Est-ce qu'on peut retirer peut-être cela et on verra plus tard. Ah, Bissuet, il augmente la défense. Les attaques à distance font c'est énorme, mais alors, mais non. Qu'est-ce que je pourrais bouger là? La régène, quand même, serait vachement bien de l'avoir, au moins la régène. Les deux, putain, les deux seraient vachement bien. Je peux peut-être virer le petit Poillon. Là, celui-là ici. Je peux descendre là comme ça. Mais alors. Putain, ça a pas... ça a bloqué encore. Là, ah bah voilà, ça c'est pas. On va l'apprendre celui-là, mais je vais pas le poser. Du coup, on peut remettre les trucs esquives que j'avais retirés. Le petit là que j'ai retiré, ce qui va monter. Voilà. Là, je suis en train de crever de faim, c'est ça? Les dégâts de mêlée, les attaques à distance, les chances de critique, les chances de critique, j'aime bien. Et on va remettre un carré sur des points de vie. Ah non, c'est les bestioles qui arrivent. C'est pas très grave. Et ben, on est bien. On est bien, on est bien. Il faudra peut-être voir améliorer un peu la base quand même, un de ces quatre. On avait bossé un peu, mais je pense qu'il y a besoin de rebosser dessus. Mais on va se laisser là. On va lâcher des heures. Il va falloir faire le fermier. Je vous remercie d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye, à plus.